tout le monde, c'est Azrox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online en 1.48 pour un tout nouveau glitch d'argent sur ma chaîne YouTube. Donc juste avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 500 likes. Ça m'aiderait énormément à référencer la vidéo. Donc vous allez devoir rentrer dans votre casino, donc ce sera un glitch de duplication et vous allez aller vers cet ascenseur là. Là vous allez appeler Gérald et vous allez lui demander une activité, donc faire une demande d'activité. Et en fait là ça va être vraiment très simple, c'est juste là il va falloir juste avoir un petit timing. Donc vous allez lui faire une demande d'activité, pour ma part je l'avais déjà fait. Vous allez vous placer au niveau de l'ascenseur et là vous allez faire start et direct accepter l'invitation de Gérald. Donc pour avoir start et entendre l'invitation de Gérald derrière comme quoi ça a été accepté. Donc là j'ai loupé, donc on va essayer de recommencer. Donc comme vous pouvez voir au niveau de l'ascenseur, on a suite de terrasse, donc faudra avoir une suite où vous pouvez essayer. Même si vous n'avez pas de suite, je pense qu'il y a moyen que ça marche. Là la deuxième fois j'ai encore raté et la troisième fois je vais réussir. Donc en gros vous allez maintenir start, vous allez vous approcher de l'ascenseur. Une fois que vous serez à l'ascenseur, vous allez lâcher start et puis appuyer sur l'invitation. Si start ne reste pas, c'est que vous avez loupé. Et si start reste et que vous avez entendu comme quoi ça a fait le ding, comme quoi ça a lancé l'activité de Gérald, et bien c'est que ça a marché. Donc là ça a marché. Ce que vous allez faire du coup, c'est que vous allez refaire start pour retirer le start. Et à partir du moment où vous avez refait ça, vous allez spammer croix pour que ça vous emmène dans l'ascenseur. Une fois que ça vous a emmené dans l'ascenseur, vous allez attendre, ça vous envoie dans la mission. Là vous allez attendre 10 secondes dans la mission et vous allez quitter la mission. Une fois que vous aurez quitté la mission, ça va vous faire descendre en parachute sous la map, c'est tout à fait normal. Et à partir de là, comme vous pouvez voir, la minimap est buggée et vous êtes buggé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un véhicule PNJ et vous allez vous emmener dans un garage. Donc il va falloir avoir un garage où vous n'avez qu'un garage. Donc c'est à dire par exemple si vous rentrez dans votre boîte de nuit et vous avez plusieurs garage, et bah ça va pas marcher. Par exemple si vous avez un appartement et dans cet appartement bah vous avez deux appartements, ça va pas marcher. Il faut vraiment avoir un garage et que dans cet endroit vous avez que ce garage et pas genre 5 garages. Il faut que vous en avez que un, autrement ça marchera pas. Donc là moi pour ma part je suis allé dans un garage où bah j'ai que ce garage là. Je suis rentré dedans, là vous allez prendre une éléguée à chute, donc c'est le véhicule qui sera remplacé par la duplication. Donc ce véhicule, vous allez le perdre et sa plaque va se mettre sur votre duplication. Donc vous allez le prendre et le sortir. Une fois que vous l'aurez sorti, vous n'allez pas accélérer avec, vous allez sortir de votre véhicule et vous allez prendre un véhicule PNJ. Pour ma part, je vais reprendre le même véhicule PNJ avec lequel je suis venu et on va s'éloigner en appelant le mécano. Et vous allez appeler une Deluxo qui se trouve dans n'importe quel garage. Donc soit une Deluxo, soit une MK2, comme vous voulez. Donc vous allez l'appeler, vous allez attendre qu'elle spawn et vous allez apprendre et vous rediriger au même endroit que moi au niveau du wall brèche. Une fois au niveau du wall brèche, elle est vraiment très simple, vous allez devoir vous rendre ici sur la map. Donc là, entre les deux routes, à peu près à ce niveau-là, exactement où je mets le point. Et là, ça va être aussi un petit peu compliqué, donc vous allez passer comme moi sous la map. Là, pour vous mettre encore plus sous la map, vous allez retirer les roues et remettre les roues. Comme ça, vous allez descendre un peu plus sous la map et vous allez pouvoir vraiment voler partout où vous voulez sous la map. Vous allez vous rendre au point et là, il va falloir tomber dans un garage sous la map. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je me suis repris à plusieurs fois, mais si vous ratez, c'est pas grave. Vous retournez au wall brèche et vous continuez ainsi de suite jusqu'à temps que vous tombez dans votre garage. Donc, vous allez chercher à arriver au point, à tomber dans votre garage. Donc, vous allez rester au niveau du point et attendre que votre véhicule descende tout seul. Donc surtout ne lâchez pas les roues, attendez bien qu'il descende tout seul. Et à un moment vous allez tomber comme moi dans la vidéo, vous allez tomber dans votre garage. Une fois que vous êtes tombé dans votre garage, ça va faire un petit écran noir et vous allez spawn à un endroit très particulier. Et là ce qu'il va devoir faire, c'est que vous allez prendre votre véhicule et l'emmener là où vous avez sorti l'élégué RH8. Et comme vous allez pouvoir le remarquer, le véhicule a bien pris la place de l'élégué RH8 et a bien pris sa plaque. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis, bye tout le monde.